ce film existe depuis que le cinéma est parlant. Avant, c'était de la musique jouée en direct, et donc improvisée. Francis Lai, un homme et une femme. Sans hésiter, la ligne rouge de Hans Zimmer. Moi, j'aime tout particulièrement Lalo Schifrin. Il y a le pont de la rivière Kwai, il y a toutes les musiques de Badalamenti pour Lynch. J'adore la musique du casse. Les Parapluies de Cherbourg, Michel Legrand. Je vais prendre le Eric Carrère. Ascenseur pour l'échafaud, Miles Davis. Les musiques de films de Max Pécasse, j'adore. C'est Bernard Herrmann qui a beaucoup écrit pour Hitchcock. C'est les plus gros films d'Hitchcock. Et puis aussi Ennio Morricone, que je trouve être un des musiciens les plus originaux de l'histoire de la musique de film. Toutes, s'il faut une, mais bon, la musique est toujours bonne. Une relation intime. Il n'y en a pas une plus qu'une autre. Non, parce qu'il y a des musiques qui sont sans valeur intrinsèque, mais qui sont tellement intimes avec l'image. C'est vraiment ça, c'est le vrai talent de compositeur musical. Alors tu as commencé par des interprétations de Bach et on te retrouve ici pour interpréter du Badalamenti. Ce parcours, tu le perçois comment ? C'est-à-dire que la musique de Badalamenti pour Twin Peaks est une musique qui est un peu à part parce que ça ressemble beaucoup à du jazz, elle puise toutes ses origines dans le jazz. Mais si on s'en tient à la musique de jazz, ça fait 8 mesures et on improvise et on part en vrille. Alors qu'il y a vraiment des murs très, très serrés et je crois que ça doit vraiment être interprété comme une musique classique, c'est-à-dire vraiment avec un... presque faire note à note et essayer de préserver l'ambiance. Badalamenti, il y a des sonorités très jazz, tu préserves cet aspect-là ? Oh ben c'est absolument nécessaire et tous les musiciens qui m'entourent sont des grands de la scène jazz, enfin que tout le monde connaît. Ouais. Ton rapport au jazz est lointain ou c'est récent ? Non, c'est plus toujours ça, mais c'était parfois aussi la musique que jouaient les autres et parfois la musique dans laquelle j'étais intégré avec différents groupes. Ouais. Tu aimes beaucoup les films de Lynch et justement tu aimes sa musique dans les Lynch et en dehors aussi dans d'autres films peut-être ? Bah oui, parce que c'est de la musique, on a toujours l'impression qu'elle est un peu en dehors des personnages, et puis tout à coup ils se mettent à le chanter, et on se demande comment ils font pour chanter une chose comme ça qui est tellement loin d'eux, et c'est étrange quoi, c'est à la fois à l'intérieur, à l'extérieur, et il a un rapport à la musique un peu spécial quoi. Alors comment tu as travaillé ? Tu as pris les partitions de Badalamenti ou c'est à l'oreille ? Bah il n'y avait pas de partition de Badalamenti, donc il y avait des disques, il y avait le disque de la musique de la série, des disques de la musique du film. Donc on a essayé de repérer là-dedans les musiques qui pouvaient faire sens, sachant que des choses qui nous étaient interdites. C'est les chanteurs, c'est-à-dire qu'il y a des voix d'enfants qu'on n'avait pas, il y a une chanteuse qui chante Cycle of Blues, qui est vraiment une pure merveille, mais qu'on n'aurait pas pu faire ça à faire qu'une chanteuse francophone, enfin c'est malgré tout talent, mais c'est, je crois qu'il y a un gros effort de montage, il y a dû y avoir une direction pendant cette séance d'enregistrement tout à fait remarquable, mais on n'aurait pas pu l'avoir en live, c'est impossible. Quel est le travail de Valérie Lindon, la coordinatrice ? Ben déjà, le travail, c'est que c'est plus ou moins instigatrice. C'est-à-dire, elle sert de lien entre Badalamenti et le divan du monde. Enfin, rappelons que Valérie Lindon a travaillé avec Badalamenti sur L'Adversaire et Cet amour-là, deux films français. Oui, et puis sur beaucoup d'autres films, elle fait toujours ça avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire qu'elle est toujours investie là-dedans comme si c'était sa musique. C'est-à-dire, elle fait de la musique tout en n'en composant pas. Si vous... Quelle pourrait être ton implication, ton apport personnel, toi, musicien, en interprétant ces musiques-là ? Mon apport est, en fait, je pourrais dire assez négatif, c'est-à-dire que je suis avec des musiciens qui sont des purs sang et il faut les empêcher de faire jazz. Il faut les empêcher de partir partir en live, parce que c'est les images le font déjà dans le film. Et pour ceux qui sont des fidèles ou des adeptes de David Lynch, on peut pas trop sortir de la musique, sinon les images vous échappent et on est ailleurs, quoi. Et sinon, ça aurait déjà été fait avec 8 mesures, on fait des choruses pendant 20 minutes. Donc mon rôle est un rôle de castrateur ce soir.